tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Vous le savez maintenant, je tourne des vlogs comme ça une fois par mois. Je choisis un petit moment dans le mois et puis je vous prends pour une semaine ou pour deux semaines, ça dépend. Et là, ça me tenait particulièrement à cœur de vous filmer ce début septembre 2021, puisqu'on est le 1er septembre, mercredi, et que demain, ce sera la toute première rentrée à l'école de Marius. J'ai peine à le croire, c'est passé trop vite. Marius n'a pas encore 3 ans. Il aura 3 ans le 5 octobre. Et ça y est, il va déjà à l'école. C'est dingue. Donc, je voulais conserver un souvenir de ces images, pouvoir voir à quoi est-ce qu'il ressemblait quand il est allé à l'école la première fois. J'avais aussi envie de conserver le souvenir de comment je me sentais dans ma tête par rapport à tout ça, de comment est-ce que Marius aura vécu sa première semaine à l'école. Voilà, plein de choses comme ça que j'avais envie de conserver. Notre rythme va un petit peu changer. D'ailleurs, il a un petit peu changé depuis notre retour de vacances. Ah oui, il faut que je vous parle de notre retour de vacances. Dans le sens où maintenant je ne nous réveille plus à 8h, je me réveille à 7h45, ça prépare en douceur le fait qu'on va devoir se lever encore plus tôt. J'imagine qu'on va se lever sous les coups de 7h30, 7h25. Je ne sais pas encore à quelle vitesse on se préparera, ça va être très certainement en constante évolution. Donc à voir, ce que je peux vous dire c'est que demain, le jour de la rentrée, ça va être une journée assez allégée. Marius ira à l'école seulement 2h, donc ça va être vraiment une toute petite rentrée prévue pour les petites sections, mais c'est très bien comme ça. Maman! Oui! Tu vas aller dans mes bras, bébé? Ah bah. Je suis désolée ma fille, cool dîner, je passe mes journées à éponger ce flot ininterrompu. Ah oui, les boucles d'oreilles, ne tire pas s'il te plaît. Alors oui, Louise est malade, on y a tous eu droit, c'est la dernière à être contaminée, nous c'est complètement passé. En fait, je vous avais raconté que pendant les vacances, les enfants ont eu le pied main bouche. Quand on est rentré, on a chopé la gastro. Voilà, il n'y a que mon mari qui est passé à travers, hein, le petit vénard. Mais voilà, j'ai encore un souvenir non ému de cette journée du dimanche passée au fond de mon lit avec un seau à disposition. C'était un petit peu l'angoisse. Je ne sais pas du tout si c'était une simple gastro ou la tourista, mais quoi qu'il en soit, ça n'allait pas. Ça a été très éphémère une journée, mais ça a suffi pour me rétamer complètement. Les enfants y ont aussi eu droit, et puis suite à ça, eh ben, on a chopé la crève. Voilà. Mais c'était vraiment un petit rhume. Les enfants ont été plus impactés que nous. Bref, ça va beaucoup mieux. Je vous reprendrai, je pense, quand Louis sera à la sieste, justement, et que Marius sera devant son dessin animé, puisque qui dit mercredi dit vidéo de Tchoupi. Pour vous parler un petit peu de mon coloriage, pour vous faire un petit point lecture, ce genre de choses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut que je fasse un petit truc, c'est que il faut que je pointe le sac d'école de Marius pour être sûr que je n'ai absolument rien oublié sur la liste de la maîtresse pour emmener pour demain. Voilà. Je viens de me faire une session lecture et maintenant il faut que j'aille m'occuper de mon linge. Vous êtes très contents de savoir que je suis sur le point de lancer une machine. Mais écoutez, vous allez quand même venir avec moi. Ça va me permettre de vous parler de ma lecture en cours. Puisque je suis en train de lire en ce moment un livre qui fait partie de ma pile à lire participative estivale, c'est La ville sans vent, c'est sorti chez Hachette, attention à la lumière pourrie, voilà. Et c'est un livre qui est écrit par une auteure française. Quand je vous le montre sur Instagram, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages genre « Ah, c'est trop bien, j'espère que tu vas apprécier ta lecture autant que moi parce que je l'ai adoré ». Et moi aussi j'aime beaucoup ce que je lis, maintenant je rejoins pas totalement l'engouement incroyable qu'il y a autour de cet ouvrage, parce que je trouve que la dimension politique elle est vraiment eh bien, très très ancrée dans le récit, et c'est pas forcément ce que je préfère lire, tout l'aspect politique, moi c'est quelque chose qui m'ennuie très rapidement. Donc, mais ça m'empêche pas de passer un très bon moment parce que je trouve que l'univers, il est vraiment chouette, il est très immersif. On a une espèce de cité qui fonctionne par niveau. Donc, la population la plus pauvre est au premier niveau. Et puis, plus on est riche et puissant, et puis plus on évolue dans les strates de la société, et plus on va s'élever physiquement dans cette ville
grâce à des canaux, grâce à des tortues géantes qui représentent en fait le moyen de transport le plus sûr pour circuler dans cette ville-là. Et au septième et dernier niveau, il y a des mages, donc on a une dimension magique très présente dans le récit. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Et il y a plein plein de mages qui ont chacun un disciple, donc c'est leur petite main qui leur permettent voilà, de réaliser tout ce qui est un petit peu fastidieux au quotidien. Et notre personnage principal, il s'appelle Astyanax, c'était jusqu'à présent un disciple, mais son mentor a été assassiné et il est devenu mage à son tour. Et il a pris comme disciple notre deuxième personnage principal du récit, qui est une jeune fille de 13 ans qui s'appelle Arca, qui est nouvelle en ville et qui recherche son père parmi les mages. Elle a perdu sa trace depuis sa naissance, mais elle sait qu'il est mage dans cette ville-là. Donc elle mène son enquête en venant en aide à l'Astyanax et en essayant de l'aider à résoudre son enquête, à savoir qui a assassiné son maître, d'autant que les assassinats se poursuivent en ville. Donc j'aime beaucoup la petite enquête qu'il y a, j'aime beaucoup la dimension magique, moins celle politique qui est très 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 présente. Donc j'ai entendu dire par l'une de mes abonnées que les 100 dernières pages étaient un petit peu décevantes. J'en suis pas encore rendue là, moi j'ai lu la moitié du récit. Et écoutez, pour le moment je passe un bon moment, je trouve que c'est une histoire qui est vraiment très divertissante, donc à voir par la suite. Je passe littéralement ma vie à faire des machines depuis qu'on est rentré de vacances, mais c'est parce que ce soit pour Louise ou que ce soit pour Marius, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de shopping. J'aurais acheté plein de vêtements là pour la rentrée, pour l'école, pour Loulou aussi parce que tout simplement elle a grandi puis il y a le changement de saison. Alors, j'en profite pour vous montrer la couve de mon livre, qui est donc, comme j'ai pu vous le dire, La ville sans vent. Je trouve la couve très chouette. Donc c'est le premier tome d'une duologie. Et si je passe un aussi bon moment avec la deuxième et dernière moitié de ce livre, nul doute que je me procurerai le deuxième tome. La fille, elle a monté une volée de marche, elle est déjà essoufflée. Alors, je vais vous montrer mon coloriage maintenant. Non, mais c'est dramatique, les enfants n'arrêtent pas de mettre leurs jouets sur mon bureau, rien ne va plus. Alors, en fait, ce colo va vous sembler familier dans le sens où c'est strictement le même que celui que j'ai commencé avant les vacances, si ce n'est que je l'ai bien bien avancé, pas encore tout à fait terminé. Mais il est en bonne voie d'être achevé et tant mieux parce que avec le changement de temps qu'on a en ce moment, bien qu'ils annoncent le retour du beau temps pour au moins une semaine à partir de cet après-midi avec la chaleur, etc. Moi, j'ai plus trop envie de colorier des illustrations qui sont hyper estivales comme le colo dans lequel je me suis lancée. Le voilà. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais le mois dernier quand je vous l'ai montré, il y avait en gros cette partie-là qui était achevée. Et c'est tout. Donc, comme je vous l'ai dit, je reste vraiment sur une palette de couleurs hyper restreinte pour le moment, donc bleu et orange. J'essaie de faire, pour vous donner un peu mon rythme et pour vous dire à quel point j'avance pas vite, mais j'essaie de faire un gros motif comme ça par jour. Alors, évidemment, la crème solaire, ce jour-là, j'ai dû faire l'encre en plus, hein, vous voyez. Mais par exemple, hier, j'ai fait la bouée et j'ai fait que la bouée. Pour mon colo suivant, je ne suis pas encore tout à fait fixée. En fait, j'hésite entre deux albums. J'ai très envie de retourner dans celui-ci, The Magical Colors of Fairies. C'est juste hyper, hyper mignon. Hop. Il y a moyen de faire des trucs super sympas. J'en ai fait qu'un seul à l'intérieur, c'était l'année dernière. Je vais peut-être vous le retrouver. Touc, c'était celui-ci. Ou alors, soyons fous, l'année dernière j'en ai fait qu'un seul. Cette année j'aimerais bien en faire deux. J'ai envie de reprendre mon Nice Little Town Halloween. Je vous montre celui que j'ai fait l'année dernière. Voilà, c'était celui-là. J'adore cet album. Il est génial. Franchement, elles sont toutes excellentes, les illustrations. C'est super difficile de choisir. L'année dernière, je vous avais fait choisir sur Instagram. J'hésitais entre deux et voilà, vous aviez choisi. Je pense que je referai pareil cette année. Bon, sur ce, je vais vous laisser, je vais retourner à ma lecture parce que oui, ce que je vous ai pas dit, mais c'est qu'à partir d'aujourd'hui, là, je commence une lecture commune avec l'une de mes abonnées, Amandine, sur Instagram. On va se lire un Fanny Flagg. C'est un Fanny Flagg qui là aussi était dans ma pile à lire estivale. J'ai envie de dire automnale à chaque fois, mais non, non, Emmanuel, c'est pas encore l'automne.
Donc j'ai 50 pages à lire pour aujourd'hui. Je vais m'y attaquer ce matin et je reprendrai dans le courant de l'après-midi quand je pointerai un petit peu les affaires pour l'école de Marius, que je regarderai si j'ai rien oublié ou quoi. Je le ferai, je pense, en début d'après-midi pendant la sieste des enfants. Parce que comme ça, si je me rends compte que j'ai oublié d'imprimer un truc, genre, je sais pas, les papiers de l'assurance pour l'école, mon mari est au bureau aujourd'hui, je sais que je pourrais lui passer un petit coup de fil en lui disant, au fait, tu peux m'imprimer un truc, s'il te plaît, merci. Donc voilà, donc ça a ce petit côté pratique là. Et puis voilà, sinon moi, comment je me sens à l'approche de la rentrée? J'ai envie de vous dire bien, mais en même temps, faut pas croire absolument tout ce que je vous dis parce que le fait est que ça fait 3 nuits d'affilée que je suis longue à m'endormir. Donc c'est que je cogite quand même un petit peu, voilà. Mais je suis contente pour Marius parce que mais parce qu'il en a besoin. Voilà, il grandit, il a besoin de voir d'autres enfants. Bon, il a une petite sœur, mais faut pas oublier qu'il va pas à la crèche, il voit que sa petite sœur, et il a besoin de voir d'autres enfants, d'avoir un côté social plus étendu. C'est un enfant qui est très anxieux de nature, et ça lui fera beaucoup de bien de se confronter aux autres, je pense, et d'apprendre plein de nouvelles choses, parce que ça, il est extrêmement en demande. Il est très friand d'exercices, de cahiers d'exercices, etc. D'ailleurs, j'en ai recommandé là hier soir chez Cultura. Je vous montrerai peut-être quand j'aurai reçu ma commande, mais on en fait beaucoup parce qu'il est très en demande d'apprendre et je suis très fière de lui parce que ce petit bonhomme a déjà, je trouve, pour son âge, un vocabulaire extrêmement riche et étendu et beaucoup de connaissances. Donc ça me remplit de fierté. Je suis pas sûre que s'il avait été à la crèche, ça aurait été pareil. Évidemment, je remets pas du tout en cause le travail des assistantes maternelles, mais évidemment, en étant à la maison, moi je ne suis qu'avec un seul enfant et pas 15 000. Enfin deux en fait, hein, mais bon, un qui est en âge d'apprendre en tout cas. Et on a le temps, en étant que tous les deux, d'apprendre plein de choses. À la crèche, c'est pas aussi évident, ce qui est tout à fait logique. Voilà, donc ça c'est bon comme c'est mauvais côté. Il a fini son tchoupi, donc j'y vais. Comment est-ce qu'il le vit? Bah, il le vit très bien et ça, je suis très contente. Il a l'air impatient et content d'y être. Évidemment, il ne se rend pas du tout compte de la fréquence que ça représente. Il a déjà un peu de mal à se repérer dans la semaine, hein, si ce n'est que mercredi, c'est choupi, les autres jours, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il ne se rend pas compte qu'il va devoir y aller lundi, mardi, et puis jeudi, vendredi, puis de telle heure à telle heure. Mais ça viendra avec le temps. Et il sait qu'il va y aller, il sait que c'est demain, on lui prépare beaucoup, on lit quelques histoires sur le sujet. Il est content. Et puis en plus de ça, hier, je suis allée à son école parce qu'il y a un petit parc où il aime bien aller juste à côté. J'ai regardé le tableau d'affichage de l'école où il y avait déjà les classes d'affichées. Et on a vu qu'il allait être dans la même classe que sa copine, la petite voisine, qui a le même âge que lui, à 2, 3 semaines près, je crois. Donc c'est rassurant pour lui, c'est chouette. Tu vas à l'école demain, mon ange? Oui, ça va être trop bien, chérie. Bon, j'ai confiance qu'on est sûr dans le truc, mais haut les clairs quoi. Non, mais voilà, ça va être chouette. C'est le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Faut y passer par là. Et puis, une fois que t'es dans le circuit, les années défilent encore plus vite, je crois. Bon, on verra bien. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Coucou! Tu vas où là, Marius? Tu sais pas où tu vas? Où est-ce qu'on va ce matin? On va à? À l'école? Non, on va pas à l'école. Pourtant, il était super impatient. C'est lui qui me pressait le citron ce matin. Allez, allez, allez à l'école, allez à l'école. On est presque arrivé. La question que tout le monde se pose, c'est va-t-elle BLEURER? Réponse dans quelques instants. Ça y est, j'ai lâché mon fauve.
Alors, un petit point sur cette rentrée. Déjà, je ne sais même plus trop ce que je vous ai dit tout à l'heure là, sur le trajet aller. Mais je sais que moi, cette nuit, j'ai été très longue à m'endormir. Et je me suis réveillée genre à 6h40 et impossible de me rendormir parce que voilà, ça y est, je commençais déjà à gamberger. Et en fait, Marius était vraiment très bien préparé pour sa rentrée. Mais faut pas oublier que Marius, ça reste un enfant qui a fait très très peu de crèche. Et quand il a fait de la crèche, il était tout petit, donc il a oublié. Et ok, on va au parc tous les après-midi, il voit d'autres enfants à l'occasion, mais pour autant, comme il les connaît pas, il se mêle pas à eux. Ok, il a une petite sœur, mais ça reste un enfant qui est à la maison. C'est sûr que typiquement, c'est moins facile pour un enfant comme lui, pour une maman comme moi, de nous séparer tous les deux en comparaison d'un enfant qui a déjà été chez l'assistante maternelle ou à la crèche. Voilà, où la séparation est un petit peu plus douce parce que ça a été fait plus tôt. Bref, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que ça s'est pas bien passé. Voilà. Comme c'était prévisible, il a pleuré, et puis plus que ça, quoi. Il a crié, il a tempêté, il a essayé de taper la maîtresse quand elle a pris un petit peu de force de mes bras. Elle m'a dit qu'il fallait que je m'en aille, parce que si je restais, en gros, ça allait pas aider à le calmer. Donc bon, pas de souci, je suis partie. Et c'est en partant que moi, j'ai commencé à lâcher une larme ou deux, parce que c'était la pression qui redescendait, et puis... Bah, c'est pas facile pour moi de le voir dans cet état-là, de piquer une grosse colère comme ça. Maintenant, je sais qu'il va très vite s'habituer. Je pense que demain sera pas encore facile, peut-être la semaine prochaine aussi, mais à force, on l'aura à l'usure, hein, comme tous les enfants. Bon, on vous retrouve plusieurs heures après la dernière prise. Qui retombe, tu montres ta dragée? Oui. On sait pas quand est-ce que tu vas la manger, ta dragée? Ah, bah, c'est pas moi. Je sais pas. La maîtresse de Marius m'a dit quand je l'ai récupéré qu'il a beaucoup pleuré. Quand je suis partie, il a pleuré à peu près un tiers du temps. Quand Léonie pleurait. Comme Léonie, elle a pleuré aussi Léonie. Oui. C'est ce qui arrive hein, quand c'est le premier jour. En fait, il pleurait dès qu'il changeait de pièce. Parce qu'elle leur a fait visiter l'école, donc tu as vu la cour de récréation. Est-ce que tu as vu la cantine? Ah ben non. Non, t'as pas vu la cantine? Tu as vu les toilettes? Oui. Tu as vu la salle où tu vas dormir, le dortoir? Ouais. Oui, donc t'as visité plusieurs pièces comme ça dans l'école. Oui. Et dès qu'il changeait de pièce, et bah pouf, il se remettait à pleurer. La maîtresse m'a dit qu'il était resté beaucoup collé à elle. C'est un peu devenu sa référente et bon, mais c'est pas plus mal. Donc on verra demain matin comment ça se passe. Et quand t'as dit titi, je m'arrive. T'as fait un câlin à la directrice? Je sais pas si c'est vrai, parce que la directrice est également une maîtresse, la maîtresse de l'autre classe. Je pense qu'elle était aussi fort occupée. Je voulais vous parler non pas de ma lecture La ville sans vent, parce que je vous en ai parlé hier et j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, si ce n'est que n'ayant pas Marius ce matin, j'ai bien avancé. Il me reste un peu plus de 100 pages, donc je vais essayer de le terminer ce week-end. Et je reviendrai en début de semaine prochaine pour vous donner mon avis un petit peu plus global. Mais je vais vous parler du livre que j'ai commencé hier et que je lis en lecture commune avec Amandine. Donc c'est un Fanny Flagg et je vais tout de suite le chercher pour vous le montrer. Alors le voici, le voilà. Donc c'est Miss Alabama et ses petits secrets. Moi le seul Fanny Flagg que j'ai lu jusqu'à présent c'était Baignée. La pince à cheveux de maman. C'était Baigné de tomates vertes, mais je l'ai lu il y a déjà un petit moment maintenant. D'ailleurs, la suite est parue aux éditions Le Cherche Midi l'année dernière. Et j'ai hâte qu'il sorte chez Pocket pour pouvoir me le procurer parce que j'avais vraiment adoré cette histoire. Là, c'est une histoire qui est complètement différente. On va suivre Maggie qui a 60 ans, qui travaille dans une agence immobilière. C'est surtout une ex-Miss Alabama. Elle a été Miss quand elle était plus jeune. Et aujourd'hui, elle nourrit des pensées assez noires, assez dépressives également. Et elle souhaite mettre fin à ses jours. Voilà, elle souhaite se suicider. Et elle a déjà tout prévu en fait. Hein, le jour, la méthode, tout. Elle est en train de régler ses affaires. Mais son petit planning va se retrouver bouleversé le jour où sa collègue et amie va lui passer un petit coup de fil en lui disant « Écoute, il y a un spectacle de Derviche Tourneur dans quelques jours, il faut absolument qu'on aille voir ça ensemble.
Donc hop, ni une ni deux, Maggie accepte et elle décide de remettre ses projets à dans quelques jours. Voilà, donc ça c'est le début de l'histoire, je vous en dévoile pas trop. Pour le moment, on apprend à découvrir vraiment au compte-gouttes Maggie, mais également ses collègues. On apprend également que sa boss est décédée et que c'était un petit peu la figure emblématique de son entreprise, qu'elle avait la cote et que son absence a laissé un vide incroyable dans le cœur de tous nos personnages. Et peut-être que son état un petit peu dépressif à Maggie provient de ça, on ne sait pas encore très bien. En gros, j'en ai lu 100 pages, voilà. Je ne sais pas encore trop ce que j'en pense. Mais j'ai un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. C'est pas une fatalité parce que je me souviens que Beignet Tomate Verte, ça avait été aussi assez longue à rentrer dedans. Par contre, une fois que j'étais dedans, j'adorais ma lecture. Donc peut-être que simplement, ça va me faire un peu le même effet. Et peut-être que tout simplement, avec les romans de Fanny Flagg, j'ai besoin de temps, je ne sais pas. Je vous en reparlerai en début de semaine prochaine, là aussi, parce que je pense que j'aurai bien avancé. J'en lis que 50 pages par jour. C'est ce qui me permet de lire en parallèle un autre livre. Donc, je ne vous donnerai pas mon avis final tout de suite, mais peut-être que vous l'aurez en fin de vlog, je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ma nouvelle lecture depuis hier. Au revoir. Aujourd'hui, on est jeudi, c'est le dernier jour du vlog. Marius est donc à l'école. Moi, je viens de finir ma séance de sport et j'ai terminé un livre. Donc, je me suis dit que voilà, ça allait être aussi l'occasion de vous parler de mes lectures. Et je m'apprête à aller chercher ma petite Louise que j'avais mise à la sieste. Et je me pose la question, mais cette petite puce a-t-elle dormi en fait? Parce que je l'ai entendue à plusieurs reprises gazouiller dans son lit, mais voilà, bon, elle s'énerve pas non plus, ce qui m'a permis de faire mon sport, voilà, je ne me plains pas. Je vais en profiter pour vous montrer le couloir, puisque les travaux, ils sont quasiment terminés. Le sol est posé, la peinture est terminée, je sais plus trop quand est-ce que... Je sais plus trop à quel moment des travaux je vous avais pris la dernière fois, mais bref, ça fait super longtemps que je vous ai pas montré l'évolution. Donc là, en fait, on est dans la dernière partie. Il reste les plinthes à peindre. Et après, toute la partie décoration, même si la déco, ça a déjà commencé. Je vous montre ça. En gros, on est sur une peinture qui est la même couleur de gris qu'il y a déjà sur les portes de placard que j'avais repeintes dans la chambre de Louise. Donc, c'est un gris assez froid. Le parquet est comme ça. Voilà. Et donc, niveau déco, pour le moment... On a récupéré cet abat-jour qui était auparavant dans notre chambre, dans notre ancien appartement. La maman de mon mari nous a offert un miroir et j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci qui vient de chez Maison du Monde, que je trouve très sobre mais aussi très joli. Voilà. Et là, tantôt, je retournerai chez Ikea. J'y suis allée hier, mais franchement, j'avais pas le temps d'acheter une dizaine de cadres, mais je vais acheter plusieurs cadres à mettre de part et d'autre du couloir où on va afficher des photos. Et voilà pour la partie décoration. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, les plinthes sont pour le moment brutes de décoffrage et pas encore repeintes. Voilà. Ah ! Mais as-tu seulement dormi, ma jolie ? As-tu seulement dormi, ma poupette ? Je ne suis pas sûre. Ah, à voir, à voir. Ah, coucou ! Coucou la foule ! Ah bah dis donc. Ah c'est le gros enthousiasme, je vais me prendre un coup tout à l'heure. Ok, on est sur une déménageuse. Tu l'emmènes dans la chambre de ton frère, le chariot? Tu l'emmènes dans la chambre de Marius? Attends, je t'aide, pour tourner c'est pas simple. Le chariot des peluches. Oh là là, ça galope, ça galope, ça galope. Oula, attention.
J'ai pas de papier pour le constat, ma biche. Ce qui a un peu changé dans la chambre de Marius, c'est que mon mari a enlevé l'échelle du lit superposé. Parce que Louise commence à grimper partout. Et un jour, elle est montée et elle est bien sûr tombée. Donc voilà. Par précaution, pour le moment, l'échelle, tant que le lit du haut ne sert pas, eh bien, elle reste au-dessus. Bon, je viens de rapatrier toutes mes affaires en haut. Comme ça, je vais pouvoir terminer ce vlog avec ce plan-là. Ça va m'éviter de faire des allers-retours. Et puis, je peux rester avec ma coquillette. Elle est morte de rire, j'adore. Ah, quelle compagnie exceptionnelle, ma chérie. Ah, ma beauté. Alors, on va déjà commencer par parler de l'école avec Marius. Ça se passe mieux que le premier jour de la rentrée et que même le deuxième. Voilà, il y a eu quelques petites difficultés, notamment quand il a fait sa première journée complète pour dormir. C'était pas simple, il s'est fait un petit peu discuter parce qu'il empêchait les autres de dormir. Mais bon, voilà, ça va venir tout tranquillement. J'ai eu une réunion super intéressante à l'école mardi soir. Comme ça, je sais que Marius y fait de la gym le lundi et le vendredi, que mardi matin, c'est chorale. On a eu voilà, le détail des petits ateliers qui étaient menés. Et bref, c'est super intéressant. Je suis contente d'en savoir plus. Pour le moment, je l'emmène à pied. Je vais le chercher à pied. Tant qu'il fait beau, etc. Bah, on en profite, on fait pas les feignants. J'ai fait une commande chez Cultura il y a peut-être une semaine de ça, que j'ai été chercher hier. Je vous ai pas filmé parce que franchement, je peux pas me permettre de filmer tous les jours. Enfin, sinon, vraiment, j'y passe ma vie, quoi. C'est pas possible. Mais il faut savoir qu'avec notre comité d'entreprise, on a chaque année des cartes cadeaux à dépenser. Et moi, j'avais les cartes cadeaux, comme d'habitude, de l'année dernière à dépenser. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je les ai utilisées pour Marius, comme c'est censé être un peu le but. Et puis, chez Cultura, pour lui acheter des albums que je vous montrerai pas dans le vlog, mais que vous verrez. Tu m'as griffé le cou, mais d'une force. Oh la vache! Passion grimper sur maman. Maman, c'est pas une colline, hein? Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai passé une commande. J'arrive pas à me concentrer. Elle est juste trop craquante. Non, mais au secours! Au secours! J'en ai profité pour acheter chez Cultura, donc comme je vous le disais, des albums que vous ne verrez que dans mon prochain book haul, parce que sinon, je vais y passer une vie avec ce vlog, mais aussi des cahiers d'activités parce que Marius adore en faire. Jusqu'à présent, le tout premier qu'il avait fait, c'était celui-ci, mon année de toute petite section, donc aux éditions Larousse. Alors, bah, à l'école, il n'y a pas d'année de toute petite section. On attaque direct avec la petite section. Donc, si vous voulez, celui-ci, c'était carrément à portée de ce que son papa et moi pouvions lui apprendre un peu chaque jour. Donc au départ, je l'ai commencé peut-être un peu tôt, c'était compliqué pour lui, mais à la fin c'était hyper simple, et puis s'amuser à refaire les exercices qu'il avait déjà fait, etc. Donc forcément, je lui ai acheté, alors c'est le seul qui n'est pas à côté de moi, bien sûr, comme par un fait exprès. Donc je lui ai acheté la suite, il est plus épais d'ailleurs, c'est mon année de petite section. Donc celui-ci, on ne l'a pas commencé, Marius ne sait même pas que je l'ai acheté pour le moment. Donc voilà, on attaquera ça tranquillement ce week-end. Donc c'est à base de ligne droite, ligne courbe à tracer. Je suis désolée si ça bouge, mais vraiment, vous l'aurez compris, j'ai ma fille sur moi et c'est pas facile. Et le deuxième que Marius a fait entièrement, il nous a été envoyé par la collection Père Castor. Et alors c'était un bloc énormément centré sur le coloriage. Bon, pas de bol, Marius n'aime pas trop le coloriage pour le moment. Et le dénombrement, donc avec une difficulté qui allait évidemment croissante. Voilà. Donc ça, on l'a terminé. Il a bien aimé, mais il a quand même préféré le Larousse. Et pour continuer avec les cahiers d'activité, nous, on fait nos courses notamment chez Lidl. On fait Lidl et Auchan. Et chez Lidl, de temps à autre, il y a des choses pour les enfants. Et mon mari, quand il est parti faire les courses, eh ben, il a acheté activités et jeux éducatifs pour les 3-4 ans et ma rentrée des classes, premiers apprentissages. Je crois qu'il y a l'un des deux. Je ne sais plus trop lequel. Il me semble que c'est celui-ci qui est vraiment plus complexe que l'autre. Mais voilà, on va bien s'amuser avec ça. Oui,
Qu'y a-t-il? Papa? Ah oui, il faut que je te mette les cerises en boucle d'oreille. Excuse-moi ma puce. Voilà, mademoiselle. Toute jolie. Alors Louise, c'est pas une fille pour rien. Elle me pique toutes mes affaires. C'est-à-dire les bijoux, les élastiques à cheveux, les brosses. Enfin, je pense que ça va être le genre de minette qui va essayer de me shipper mes fringues à la moindre occasion. Mais le dernier cahier d'exercice que j'ai acheté chez Culture avec cette fameuse carte cadeau, c'est mon année Montessori aux éditions Hachette. Et je suis vraiment tellement pressée qu'on s'y mette. Il y a des gommettes, il y a plein de trucs. Enfin bref. Moi, j'adore ça. Et Marius est aussi très bon client. Donc, ça tombe bien si on y trouve tous les deux notre compte. Et il me reste à vous montrer le contenu d'un petit colis qu'on a reçu là dans la boîte aux lettres ce matin. Ce sont des services presse pour Marius. Bon, pour toi, ma loulou, mais toi, ça va pas encore t'intéresser tout de suite, tout de suite. Et je vais montrer ça à Marius quand il va rentrer de l'école. Il va être juste super content. Et il faut aussi que je vous donne mon avis sur mes deux dernières lectures. Et après, je pourrai vous laisser vaquer à vos occupations. Alors, La ville sans vent, je vais pas revenir sur le résumé, simplement vous donner mon avis. J'ai franchement beaucoup, beaucoup aimé le premier tome de cette duologie. J'ai trouvé que c'était très divertissant, que l'univers était bien détaillé et original. C'est de la fantaisie, mais ça ressemble pas forcément non plus à ce qu'on peut lire à chaque fois, tout le temps, tout le temps. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que il y a une minuscule histoire d'amour, mais franchement très insignifiante, je trouve, pour le moment, et c'est très bien comme ça, au profit d'une relation mentor-élève quasi fraternelle que j'ai énormément appréciée, qui m'a beaucoup touchée. Je dois vous avouer que peut-être que la toute fin m'a un peu moins passionnée que le reste, parce que l'histoire commence à prendre une tournure à laquelle je ne m'étais pas forcément attendue. En soi, pourquoi pas, mais c'est vrai que je m'attendais à autre chose et j'étais un petit peu étonnée. Maintenant, je pense que je m'achèterai quand même le tome 2 parce que je suis bien curieuse à l'idée d'avoir la suite et de connaître le fin mot de cette histoire. Alors, ce matin, dans la boîte aux lettres, il y avait la petite trilogie. Bon, en fait, c'est peut-être pas forcément une trilogie, mais en tout cas, il y a 3 tomes pour le moment qui sont sortis. De l'histoire de Basilic. Basilic, c'est un petit garçon qui passe ses journées avec sa mamie qui surnomme Mamie Carotte parce que sa mamie, elle est rousse, hein, voilà. Et il a un chat, il a un chien et Basilic aime énormément le jardinage, il aime beaucoup la nature et il pose plein de questions existentielles à sa mamie qui essaie de lui répondre comme elle peut. Donc jusqu'à présent, il y avait comment les arbres font-ils caca, les fleurs tombent-elles amoureuses, et il me semble que le petit dernier, c'est celui-ci, les mauvaises herbes n'existent pas. Donc on a des messages un petit peu écologiques, on en apprend plus sur la nature. Je n'ai lu ce matin, après ma séance de sport, que le premier, que j'ai trouvé franchement très très chouette. Je trouve que la colorisation, elle est un petit peu old school, j'aime beaucoup. Le dessin, on s'y fait très 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 vite. Et j'ai bien aimé. En plus, c'est instructif. Alors, il me reste les 2 autres à lire. Je le ferai cet après-midi. Mais je pense qu'on va commencer avec Marius par celui-ci. Et alors, le Fanny Flag. Et après, promis, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille préparer à manger pour ce midi. Écoutez, je l'ai beaucoup moins bien apprécié que Beignet de tomates vertes. Je l'ai trouvé vraiment moins bon, le texte. Pourtant, la première partie est assez satisfaisante. C'est-à-dire qu'on a des personnages touchants, vraiment atypiques. On a des beaux messages, des messages d'optimisme, ce qui peut être un peu paradoxal puisqu'on a quand même une héroïne qui cherche à tout prix à mettre fin à ses jours et qui a absolument tout organisé. Mais évidemment, il va y avoir plusieurs péripéties qui vont faire que à chaque fois, ces projets vont se retrouver reportés. Mais comment vous dire, j'ai trouvé que ça tournait vraiment en rond. Au bout d'un moment, j'ai trouvé qu'il manquait vraiment d'action et de rebondissement. Et quand l'action arrive enfin, je n'ai pas trouvé si satisfaisante que ça. Alors, c'est vraiment la patte de Fanny Flagg que d'insérer des histoires dans les histoires. On a donc un récit à tiroir. Maintenant, ce qu'elle nous raconte, c'est pas à chaque fois forcément hyper palpitant. J'ai donc terminé ce livre en manquant un peu de passion et d'enthousiasme. Bref, que voulez-vous que je vous dise de plus? Non mais bébé, c'est bon, stop, stop! J'aimerais rester habillée pour la fin de la vidéo, tu vois, hein? Et puis je vais peut-être aller te rhabiller. En fait,
vous allez vous dire, peut-être que vous voyez aussi sur Instagram, mais vous allez vous dire, mais mes enfants, ils sont toujours à poil. Mais c'est juste que quand je vous filme, à chaque fois, il fait très chaud, en particulier à l'étage, puisqu'on est un peu sous les combles. Donc oui, il fait chaud, et mes enfants, je les couche en slip ou en couche, voilà. Donc, et je les habille après quand même, je vous rassure. Parce qu'en bas, il fait un peu plus frais. Bon, je vais vous laisser, j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie dans cette vidéo de rentrée. Le vlog du mois d'octobre sera centré sur l'anniversaire de Marius et ses 3 ans. Allez, ciao.